Good morning, allez, Dan et Sussra, aujourd'hui, le Lonishmat Avram Mordechai, Ben Yitzhak, Befani, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, Edvora, Batester, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masachat Nedarim, Perek Alef, Mishnah Dalet, Omer, Korban, Ola, Mincha, Khatat, Toda, Shlamim, She'eini, Ochal, Lach, Asur, Rabbi, Yehuda, Matir, Ha-Korban, Ka-Korban, Korban, She'ochal, Lach, Asur. La korban lo ochal lach, Rabbi Meir oser. Aomer la chavro konam pia medaber imach, yadi osa imach, raglay mehalchot imach, asur. Quelques petites introductions, quelques petits rappels. Maintenant, le temps qu'on sasse à l'idée de Nedarim, je vous ai déjà dit, le début de Nedarim, il est un petit peu dur à pénétrer, on a du mal à comprendre qu'est-ce qu'on cherche. Et concrètement, il faut comprendre deux points. D'abord, de manière générale, je commence d'ailleurs par la fin d'un Mishnah qui va mettre l'accent sur ça. Par définition, le néder, un néder, ça veut dire je veux m'interdire une chose, en tirer profit. Je crée, la Torah elle a donné la possibilité à un homme de créer des interdits. Comme il y a des choses qui sont interdites, j'ai pas le droit de manger du lapin, j'ai pas le droit de manger du... Ouais, et ben j'aurais pas le droit de manger ce que j'ai dit que je veux plus manger. J'ai prononcé un néder, c'est ça faire un néder, faire un vœu. D'accord? Ça, c'est de manière très générale. Maintenant, pour plus de précision, en réalité, la paracha de Nedarim, elle est un peu liée au korbanot. Très vaguement. C'est-à-dire, de manière générale, quand je décide de donner ça au Beth Amikdash, ça devient la propriété du Beth Amikdash, j'ai plus le droit d'en tirer profit. Le Neder, par définition, c'est que je m'interdis cette chose-là en prononçant que je vais le considérer comme si qu'elle appartenait au Beth Amikdash par rapport à moi, vous comprenez? Il y aura même des conséquences concrètes par rapport au korbanot de Meila, d'après certains avis, ça va partir loin. D'accord? Mais je veux juste d'abord bien définir la mahout, la définition exacte d'un néder. Un néder, c'est pas juste que je dis que je vais m'interdire une chose, mais c'est plus précisément, je dis qu'une chose, je la considère comme Kodesh par rapport à moi. Puisque je la considère comme Kodesh, ça implique que je n'en tire plus profit, comme je l'ai prononcé. D'accord? Ça, c'est de manière générale. De là va d'ailleurs découler une précision très importante pour la fin de la Mishnah, que on n'interdit pas une action avec des nedarim, on interdit une chose. C'est-à-dire, je ne peux pas dire je fais le neder que je ne veux pas écrire avec ce stylo. Parce que c'est-à-dire quoi? Je fais le neder que je ne veux pas écrire avec ce stylo. Ou qu'est-ce que tu as rendu kadosh là? Puisque le neder dans son état, c'est je prends une chose, je le rends comme si qu'il était kadosh face à moi. Alors trouve-moi une chose que tu as rendu kadosh. Tu pouvais rendre l'écriture kadosh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux rendre le stylo kadosh, tu peux rendre le fait de tirer profit du stylo, l'encre, tu peux la rendre kadosh si tu veux. Donc si je prononce un éder pour m'interdire mon stylo, il faut nécessairement que je dise que le stylo sera interdit à moi que je ne crierai pas avec lui. C'est-à-dire qu'en fait je peux l'utiliser pour me gratter la tête, mais je ne peux plus l'utiliser pour écrire, parce que si tu l'utilises pour faire cette chose, pour écrire, eh bien, ça signifie que je l'ai... puisque j'ai prononcé que, par rapport à l'action d'écrire, je considère le stylo comme quelque chose de cadeau, je peux le retirer profit du stylo. Mais par contre, je ne peux pas dire, je fais le néder que je ne vais, vais pas rigoler. Et quoi que, je peux faire le néder que ma bouche ne va pas rigoler. Genre, dans ce cas-là, j'ai mis une douche sur ma bouche que je n'utiliserai plus pour rigoler. Et c'est ce qu'on va parler dans la fin de la Mishnah. Je vais commencer d'ailleurs par la fin. D'abord, parce que c'est quoi prononcer un néder, donc, c'est interdire. S'interdire sur soi une chose en la considérant comme si elle était kadosh. D'où la nécessité maintenant de la comparer à quelque chose qui est kadosh. Deuxième point important. Le fait de vouloir faire un éder ne suffit pas pour interdire une chose. D'accord? Je pense très fort que je ne veux plus tirer profit de ce stylo. Ben, ça ne marche pas. Il faut que je prononce un éder que ce stylo va être interdit à moi. D'en profiter. Je m'interdis le profit de ce stylo, c'est-à-dire ce stylo il va devenir comme si il était kadosh, comme ce qu'on a expliqué. Comme si c'était un korban, par exemple. Mais si je ne l'ai pas prononcé, alors si je n'ai pas prononcé le neder, eh ben, ça n'a pas fonctionné interdit. Et donc, ça nous fait entrer maintenant dans un sujet qui est pas longuement au début de Nedarim, jusqu'à peu près les premières Mishnah encore du Perek Bet, on va tirer ce sujet là à définir. Qu'est-ce qu'on considère comme un bon langage pour prononcer la chose ou pas? D'accord? Imaginez que
Je pense très fort à l'interdire. Je prononce une phrase du style, je sais pas moi, je vais arrêter de gribouiller. Quoi, gribouiller, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire écrire ou non? On va s'intéresser à ce que le mot gribouiller, ça veut dire écrire ou pas écrire. Ça va être un peu ça le sujet qu'on développe, quoi. Définir, qu'est-ce que ça inclut ton lachaune? Qu'est-ce que tu, quand tu as prononcé ta phrase bizarre, est-ce qu'elle supporte une connotation d'interdit ou pas? Si tu l'as pas interdit, ben ce sera pas interdit. Même si tu as voulu le faire, même si tu as prononcé plein de mots, mais tu n'as pas dit ce qu'il fallait. D'accord? Ça, c'est de manière générale, et c'est grâce à ça d'ailleurs que je vais rectifier dans quelques secondes une erreur que je vous expliquais par rapport à la marque sur la fin de la Mishnah précédente avec Yerushalayim, je l'avais mal compris. Après, en reprenant le Mishnah d'Aleth, j'ai revu, le partenariat, il va en parler tout clairement, quoi. Et je vais le corriger quand j'y arriverai. D'accord? Pour le moment, je commence par traduire la Mishnah et on avance comme ça. À Omer, celui qui dit Korban, ce sera comme un Korban. Elle n'a pas dit ce sera comme un Korban, elle a dit Korban. En deux mots, il a dit Korban Shehochalecha, Shehini Ochalecha. Korban Shehini Ochalecha. Ça veut dire comme un sacrifice, ce que je mange de toi. Une phrase comme ça. Alors là, ça signifie en fait que même si je n'ai pas dit une phrase avec un vrai sujet-verbe complément assez clair, mais on a malgré tout compris ce que je voulais faire, c'est que je voulais que toute la nourriture de chez toi, elle fait les considérer chez moi comme un korban. Et donc je me l'interdis. D'accord? Parce que là, on touche au principe des yadot qu'on avait expliqué au début de la Mishnah, au début de la première du Pérec, avec c'est quoi un yadot et un nedarim, que la Torah nous a dit, c'est vrai que je suis demandé d'exprimer, mais si tu as dit des mots suffisants sans dire d'erreur, tu n'as pas dit des choses fausses, mais tu as dit les éléments essentiels pour une phrase que dans la situation actuelle, on comprend que tu as voulu prononcer un neder, c'est ce que tu as dit, dans ce cas-là, ça vient interdit. Attention que tu l'as bien dit, que tu n'as pas dit de mots qui sont fausses. D'accord? On va expliquer un peu mieux après avec le temps, quoi, mais en tout cas. Donc, si quelqu'un a dit Omer, Korban She'eni Ochelecha, ou bien Ola She'eni Ochelecha, Mincha She'ochelecha, She'eni Ochelecha, Chatat She'eni Ochelecha, Toda She'eni Ochelecha, ou Shlamim She'eni Ochelecha, c'est mis en facteur. D'accord? Omer, Korban, Ola, Mincha, Chatat, Toda, Shlamim She'eni Ochelecha, dans tous ces cas de figure, il est assourd, il s'est interdit la chose. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire que je ne mangerai pas ta nourriture que je ne vais pas manger de chez toi. Elle est soit Korban, un sacrifice, Ola, une holocauste, Mincha, une oblation. Tout ça, c'est des choses qui sont kadosh. Khatat, un Korban Khatat qu'on apporte quand on attend, c'est une Avera. Toda, un Korban Toda. Ou Shlamim aussi. D'accord? C'est toutes sortes de Korbanot. Eh bien, dans tous ces cas de figure, il a prononcé un super interdit, le gars. Il a dit, je m'interdis ta nourriture comme si c'était un Korban. D'accord? Et sur ça, on a malgré tout Rabbi Yehuda. Matir, Rabbi Yehuda, il va permettre dans toutes ces cas de figure. Alors là, on a du mal à comprendre de quoi il Rabbi Yehuda. Alors maintenant, on va un petit peu mieux exprimer, ça va toucher à la marloquette avec la mission précédente de Yerushalayim. C'est quoi le principe? Très simple. Que Alibad est, selon. Comme je vous ai dit, la notion initiale du Neder, c'est de dire. C'est de comparer, de créer un interdit ressemblant à un korban. Et de la même manière que je peux décider, si je veux, d'apporter un corban, donc avec ma bouche, je vais créer une situation d'un animal qui va devenir interdit parce que c'est devenu un corban, eh bien, je peux aussi avec ma bouche, au lieu de le transformer comme un vrai corban, c'est que je vais me considérer face à cette chose-là comme si c'était un corban. D'accord? Vous avez compris l'idée? Si vous faites attention dans ce que je vous ai expliqué, ça implique que le néder initial, dans sa forme initiale, il se fonde sur le fait que j'ai la possibilité de rendre un animal corban. De ce fait, j'ai aussi la possibilité de rendre un objet interdit en le comparant à un corban que je pouvais faire par ma bouche. Alors ça, c'est très bien pour les corbanotes que tu peux faire par donation. Tu décides de faire un don, d'offrir un corban. Mais il y a des corbanes que tu es obligé d'apporter. En l'occurrence, un corban khatat. Quelqu'un qui a transgressé Shabbat, Béchogeg, il doit apporter un corban khatat. On ne l'a pas demandé son avis, il a l'obligation de le faire. D'accord? Quelqu'un qui a toutes sortes de situations, Korban Toda, et en fait le but de la Mishnah est de m'expliquer qu'on parle ici de Korbanot, qu'il est de toute façon obligé d'apporter. Alors on aurait pu croire que lorsque tu es obligé d'apporter un Korban, c'est pas considéré comme si tu fais un don. Tu es obligé de le faire, donc dans ce cas-là, même lorsque le Korban devient Kadosh, c'est moins, ça a moins le caractère. De vouloir faire plus, de vouloir faire un excès de zèle, de vouloir en donner plus. Et donc, tu ne pourras pas créer un éder avec un type de corban pareil. Et la machine a vu m'apprendre qu'effectivement, tu pourras malgré tout, parce que finalement,
c'est devenu un korban grâce à ta bouche, grâce à ta parole, dans ce cas-là, tu peux comparer maintenant, l'utiliser comme comparant pour utiliser une autre chose en le comparant. D'accord? C'est l'idée générale. Et maintenant, on avance. Et Rabbi Yehuda m'attire. Et Rabbi Yehuda, il va permettre dans tous ces cas de figure. Là, ça devient délicat. Et c'est le même principe qu'avec Yerushalayim, en fait, que... Vous avez déjà vu dans la Torah, il y a marqué... avant de jurer, on prononce quelque chose de... Dans une des formes de jurement, on n'a plus tellement l'occasion aujourd'hui, ça a perdu un peu de sa valeur, on dit d'abord je te jure à tout va, on dit je te jure sur la Torah, je te jure sur la vie de ma, je sais pas quoi, mais en fait on a un peu perdu la valeur, le sens initial de c'est quoi une jevoua, un serment, je ne parle plus de l'année dernière. Mais dans la Torah, c'était fréquent d'utiliser, on prend quelque chose qui a une valeur importante à nos yeux, la vie de quelqu'un, c'est le principe qu'on dit. Sur ma vie, je te fais pas ça. Sur ma vie, je vais faire ça. C'est-à-dire quoi? Je prends quelque chose qui a à mes yeux une grande valeur, ma vie, et je le dis, autant que ma vie, je veux qu'elle dure, qu'elle perdure, qu'elle soit émette, qu'elle dure, eh bien, cette chose-là, elle sera comme ça. Donc, dans sa forme initiale, dans l'inchevoua, le serment, on utilisait le Chai Hashem. Comme vous voyez, dans ma vie, on parle de Chai Hashem, ou bien dans la Torah, quand Yosef, il baratine ses frères, il leur fait Chai Paro, il jure sur la vie de Paro. C'est-à-dire, on prend quelque chose de kadosh, on dit, sur la vie de ça, que je ferai ça, qui sera comme ça. L'utiliser, la forme classique de parler pour Jus Paris, c'est de prononcer un mot kadosh, et c'est fréquent, si vous voyez dans la Gemara, on va dire, Amaronazé, que je ne ferai pas ça. Sur ce Beth Amikdash, que je ne ferai pas ça. On utilise un mot kadosh. Et alors, selon ce principe, Rabbi Yehuda vient me dit, lorsque tu veux faire un éder, mais que tu ne dises pas que la chose, elle va devenir comme un korban, tu dis pas qu'é korban, tu dis korban. Korban, je ne mangerai pas ça, ça signifie quoi? Ça signifie que tu n'as pas rendu la chose interdite comme un éder. Mais c'est que tu as juré sur la vie du korban, tu as peut-être juré sur la vie du korban que tu prononces un éder, et pas une jevoua. Une différence fondamentale entre un éder et jevoua, on verra ça dans le prochain chapitre. C'est deux modes de choses que tu interdis. Et de ce fait, quand tu dis une phrase comme « Korban sheni ochel lecha », ça implique, ça peut avoir une consonance de neder que tu rends la nourriture du voisin comme un korban. Donc tu t'interdis à cause d'un nederim. Ou bien ça peut avoir une consonance que tu jures sur la vie du korban. La vie de quelque chose qui est kadosh, et que tu ne mangeras pas. Alors là, ta phrase, puisqu'elle a une consonance, elle est floue ta phrase. Mais elle a une consonance qui peut être à la fois neder ou à la fois shvoua, et bien figurez-vous que c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Comme on dit en bon hébreu, Nofel Banakisaot, il tombe entre les deux chaises. Ouais, en français ça se dit. Non, je sais pas. En français, on dit qu'on a le truc entre deux chaises. En hébreu, on dit Nafal Banakisaot. Il est ni il a réussi à s'asseoir sur sa chaise, ni sur sa chaise, il est tombé au milieu. C'est ni un éder et ni une joie. Et dans ce cas-là, ça ne peut plus rien dire, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Et la Mishnah précédente avec l'histoire d'Yerushalayim et Kirushalayim, le problème de Rabbi Yehuda, c'était bidouk sur ça. Yerushalayim, il y a assez de gloucha dans Yerushalayim, il n'y a pas de problème. Les pierres du les pierres de la muraille de la ville, tout est entretenu par la corban. Par la coupa de la caisse, les fonds du Beth Amikdash, il y a de la gdusha, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas dit Kirushalayim, elle veut dire Yerushalayim. Yerushalayim, peut-être tu jures sur Yerushalayim. Je jure sur Yerushalayim que je peux manger de chez toi. Non, d'accord, t'as pas fait un éder. D'accord, c'est clair, on avance. Ha korban, ka korban, korban chez Ochal lecha asur. Là, maintenant, il a dit, ça va même d'après Rabbi Yehuda, je crois, mais alors là, j'ai un peu... Je suis plus clair. En tout cas, je traduis les mots. Ha korban, ke korban. Là-bas, non. Au lieu de. Il n'a pas plus dit juste korban. Mais il a dit ha korban. Korban. Che ochal lecha asur. Ce que je vais manger de chez toi, ce sera comme un korban. Là, ça nous interdit. Là, à la différence du cas précédent, c'est que là, il a franchement interdit la chose avec, il interdit la nourriture en le comparant à un korban. Parce qu'il a dit ke korban. Ou bien un korban, che ochal lecha. Que ce que je mange de chez toi, ce sera un korban. Ce sera, à mes yeux, considéré comme un korban. Là, c'est un interdit qui fonctionne même d'après la Bible. Maintenant, nouvelle phrase. La korban lo ochallach. Pour un korban, je te mangerai pas de chez toi. Wow, c'est quoi cette phrase? La korban lo ochallach. Et bien, sur ça, Rabbi Meir oser. Rabbi Meir est interdit. Pourquoi? Alors, la Gemara explique ça de deux manières. D'abord, il y a un avis qui n'est pas d'après Rabbi Meir, que ça fonctionne cette phrase. Parce qu'en fait, la korban, c'est une consonance aussi de lo korban. Comme on dit la en arabe. Ouais. Alors la korban, lo ochallach,
ce ne sera pas un korban ce que je ne mangerai pas de chez toi. Or, miklal lav atashomehen, quand je te parle à l'envers, tu peux aussi faire la traduire, convertir la phrase en positif, c'est que ce que je ne mange pas de chez toi, ce ne sera pas un korban. Donc ce que je mange chez toi, ce sera un korban. Donc je vais prononcer un korban. Je vais prononcer que ce que je mange chez toi, ce sera interdit. Ça, c'est une possibilité d'expliquer dans la Mishnah. Pour une certaine raison, ça ne peut pas être Rabbi Meir qui l'explique comme ça. On ne va pas rentrer dedans. Rabbi Meir ne pense pas, miklal lav atashomehen. En fait, il faut expliquer la phrase qu'il a. C'est la phrase qu'il a dit. Il pensait. Oui, il faut bien se mettre en scène. Je vous ai dit, il faut prononcer suffisamment de mots pour que tu aies dit l'interdit. Si tu as voulu, tu n'as pas interdit. Il faut vouloir et prononcer. Et prononcer une phrase qu'on comprenne. Le gars, il est un peu en train de rêvasser. Il pense profondément qu'il ne va plus manger de chez son voisin. Et il a dit. Il a dit une phrase comme ça. Ça veut dire quoi? Alors, sur ça. Rabbi Meir nous a dit, en fait, on dit, la korban, ce qui vient de chez toi, ce sera comme un korban. Et de ce fait, et c'est pour ça que l'eau, je ne mangerai plus chez toi. Puisqu'elle a dit une phrase qu'on peut lui donner une allure, en interprétant qu'elle a dit un interdit, il l'interdit. J'ai oublié aussi une petite précision importante qui peut aider à mieux comprendre l'enjeu. Vous savez, les lapsus, on a voulu dire une chose, on a sorti une chose. Quelqu'un qui a voulu dire une chose? Il a voulu prononcer un néder en disant ce sera un néder. Au lieu de dire le mot néder, il a utilisé un autre mot mais qui fonctionne aussi en loi des nédarim. Genre, il a dit un mot qui exprime finalement qu'il voulait interdire, mais il n'a pas dit le mot qu'il pensait dire. Vous avez compris? Ouais. Imaginez, on peut dire kunam, et il a dit kunar. Il a pensé à dire le mot kunam, et je ne sais pas pourquoi il a sorti kunar. Parce qu'il a entendu quelqu'un qui se mouchait, il a fait comme ça, et donc kunar. Peu importe. Mais là, regardez, dans un cas pareil, il a l'intention de prononcer un néder, et il a dit un mot qui fonctionne avec le néder, même si le mot qu'il dit, c'est pas le mot qu'il a pensé à dire. D'accord? De ce fait, quelqu'un qui pense à faire un interdit, il a l'obligation, il doit nécessairement prononcer l'interdit. Imaginez qu'il y ait une phrase maintenant, qu'on réussit à dire, écoute, tu as dit suffisamment de mots pour qu'on puisse donner une allure de phrase qui est interdite, et bien dans ce cas-là, elle est interdite. C'est ce qui se passe quand on dit la korban yehé, ma she ochal. Et la chen, lo ochal lecha. D'accord? Ce sera pas un korban, parce que ce sera comme un korban, ce qui est un tchuton. Et c'est pour ça que je ne mangerai pas chez toi. Ok? Dans ce cas, Rabbi Meir osser. Et même si Rabbi Bartanoï nous dit « En anachak Rabbi Meir, l'anachak Rabbi Meir, l'anachak Rabbi Meir » retenu comme cette phrase, comme il rallonge longuement le Tosfos Yom Tov, mais pour notre propos, on avance. « Omar l'achavor konam pi amedaber imach, yadi osa imach, raglai mealchot imach asur. » Là, on va revenir sur l'introduction au début de notre Mishnah d'aujourd'hui. D'abord, je traduis. Celui qui dit à son ami « Konam pi, je prononce, ce sera comme un corban de ma bouche » Amedaber imar, qu'elle ne parlera plus avec toi. Ou encore, Yadi osa imar, ce sera un konam, ce sera comme un korban, ma main, de tout ce qu'elle fera pour toi. Ou konam, raglai me'alchot imar, ils seront comme un korban mes pieds pour marcher avec toi. Dans tous ces cas de figure, il a interdit, ça veut dire qu'il s'interdit soit de parler avec lui, soit il s'interdit de l'aider à faire quelque chose, soit il interdit de se promener avec lui aussi. Là, ça touche à la première partie de ce qu'on a expliqué, que interdire un éder, d'ailleurs ce sera une belle introduction un petit peu pour le prochain chapitre, on va parler un peu mieux sur ce sujet, que un éder, il faut nécessairement faire ce qu'on appelle un issur heftza velo issur gavra. Il faut interdire une chose et pas s'interdire sur soi. Avec un éder, on n'interdit pas une action, on interdit une chose. Il faut nécessairement, ça veut dire, je ne peux pas dire je fais le néder que je ne vais pas dormir. C'est quoi, tu fais le néder? C'est quoi? Il y a le sommeil, tu prends le sommeil comme quelque chose de kadosh que tu ne vas plus en profiter. C'est un esprit, le sommeil, c'est quoi? Tu peux faire un konam enai minashena, que mes yeux, ils seront interdits de faire l'action de la shena, parce que par rapport à la zone de la shena, eh ben mes yeux, ils n'auront pas le droit de partir dormir. Tu peux prononcer une chose pareille. Tu peux dire de nouveau, je ne peux pas dire konam neder shanilo lechitra. Non, je suis en néder que je ne vais pas partir marcher, avec me promener avec toi. Qu'est-ce que tu fais sur quoi? La marche, c'est quelque chose que tu as entendu kadosh, la marche. Il faut une chose, il faut un objet. Par contre, tu peux dire j'interdis mes pieds d'aller marcher avec toi. Alors là, tu interdis tes pieds. C'est-à-dire que par rapport à l'action d'aller marcher avec toi, mes pieds, ils sont considérés comme kadosh qui ne peuvent plus marcher avec toi. Et selon ce principe, la Mishnah m'apprend, tu interdis ta bouche de ne pas parler avec l'autre. Tu interdis tes mains de ne pas aider l'autre, mais tu ne t'interdis pas l'aide à l'autre. Tu interdis tes mains. Ou encore, tu interdis tes pieds d'aller marcher avec lui. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.